Hop là. De retour. Alors finalement, j'ai changé d'avis. On va retourner sur le. On va quand même essayer de trouver ce troisième larron. Hop là. Allez, on va essayer de trouver le troisième là. Je pense qu'il faut regarder la direction dans laquelle est parti le bonhomme. Alors, paf. Si on prend la carte, on va retourner à celui-là. Hop là. Ça fait chier de pas terminer quand même. C'est une quête là. Là on reconnaît, on est déjà le faire vers l'est. Oui, non, à la base on y est. Oui. Pardon. Je m'égare. Et c'est que cette histoire? Ah. Ok. Bon. J'ai trouvé. Hop là. Hop là, on va remonter dedans. Allez, monter dans le véhicule. On va retourner en Normandie. Et puis on va. Pas si on attaque Cerberus ou pas. Regardez. Sinon, on va. Là, Cerberus, ça nous dit quoi? Voyageur. Ah ouais, non, ça c'est chiant. On va voir, hop là, petite sauvegarde, pas bien longtemps. Et là, on va essayer de voir. Quoi, c'est le secteur Voyager? Ah, c'est jusque là. Je me souviens plus de la planète.
péter la gueule à Cerberus. Bon, puis après, si on trouve pas, on poursuivra la mission. Ah. Une anomalie. Une anomalie, c'est Cerberus. Oula. Comme qui dirait potentiellement du grabuge dans le temps. Il y en a deux même. Ouh, donc j'ai chopé belle. Oula. Voilà. Hop là. Ah. Allez. Ah mais non, mais je suis pas au bon endroit moi. Bon, on va quand même y aller histoire d'être sûr. Et là... Si on a dû péter des tours, c'est que globalement... Ouais, il y a encore des ennemis. Oh putain, c'est quoi ce truc? Oh, ça craint. On dirait que Cerberus a d'autres bases sur cette planète, Shepard. Possible. Bon, ça va être chiant parce que... Ah bah, on peut l'ouvrir, ça. Ouais, donc là on peut pas, là, on peut rien faire. Ah. Ok. Ah ouais. Juste ça. Bon, de toute façon, ouais, la compétence insuffisante, ça, mais... Hop là. Sauvegarder que je veux faire.
Et donc, on va aller par là. Ah. Hop là. Cool. Et par là, je pense qu'il y a un peu de minerai. Si vous souhaitez. Là. Non, mais je vais remonter dans la voiture. Ok. Ok. On va continuer à les traquer. Hop là. Hop là. Une sauvegarde encore parce que j'ai pas du tout confiance en mes capacités. Vas-y. Ok, allez, tiens, je vais voir. Oula. Donc. Hop là. Voilà. Ouvre-toi. Ah, c'est des zombies. On a déjà viré, on va déjà tuer les méchants. Il y en a un autre. Ah, salaud. Putain.
suivante, vite. Ce genre de mission, j'adore. Ah, je vois ça. Bah putain, c'est ça. Ok, bon, bah on repart. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Enfin, cette puissance du pompe. Oh. Allez. On va finir avec Cerberus là, puis hop là, on va aller ailleurs après. Vas-y, je tente. Et toi là, t'as déjà tout ce qu'il faut. Allez, carte, on va aller là. Ouf. Let's go! Là, raté. Allez, toi ici. Ok. Allez, on va défoncer tout ça. Ils mourront pas deux fois. Et... OK. C'est quoi là qu'il y a? Oh, c'est des petites bébêtes là. Ok. Bon les gars, je compte sur vous. C'est le moment de venger Kaoku. Ok. C'est l'amiral Kaoku. Je crois que Cerberus l'a retrouvé. Paré.
Néferon. Columbia. Ok. Allez. Ah tiens, tiens. J'ai l'impression que c'est défendu là-bas. Ah oui.
Juste pour être sûr, je crois que putain, c'est pas explosé. C'est loin de coup. Hop là. Entre. Oula. Il y aura du monde là-dedans. Bon, on va aller voir Cerberus là, hein, juste là. Espérons que ce soit pas encore une course à l'échelle. Ok.
y a rien d'autre à faire. Ok, bon. Décevant. Autant le Balak c'était relativement bien écrit comme quête. Tant celle-là. Ok, on a détruit des trucs, mais on a récupéré des codes. Super. Une transmission, commandant. Je crois que ça va vous intéresser. Mes hommages, commandant Shepard. Je représente un investisseur à la recherche d'informations sur les activités de Cerberus. Qui êtes-vous? Et qui représentez-vous? Mon identité n'a pas d'importance. Je vous dirai simplement que je suis un agent du courtier de l'ombre. L'amiral Karuku a contacté mon employeur pour lui demander les coordonnées des installations de Cerberus. Nous les lui avons fournies. À condition qu'il nous fasse parvenir des copies de tout fichier récupéré dans les systèmes de Cerberus. Vous avez quelque chose à voir avec la mort de l'amiral Kaoku? Nous n'avions aucune raison de l'éliminer. Il s'apprêtait à nous fournir des informations sur Cerberus. Informations qui sont à présent en votre possession. Vous devez avoir un lien avec Cerberus. Comment pouvez-vous savoir où se trouvent ces installations, sinon? L'information est notre métier, commandant. Grâce à nos contacts, nous avons pu découvrir que le groupe Cerberus était actif dans le secteur voyageur. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons pu apprendre. Nous souhaiterions donc que vous nous obteniez ces fichiers. Ce sont des fichiers confidentiels de l'Alliance, n'y comptez pas. Soyez raisonnable, commandant. Vous ne devez rien à l'Alliance. Cerberus opérait en dehors de sa juridiction. L'Alliance va en tirer ses informations dans ses archives. Mais aucun secret ne reste caché indéfiniment. Quelqu'un finira par nous remettre cette information. C'est inévitable. Autant que ce soit vous, transmettez-nous les fichiers et vous serez largement récompensé. Vous comptez en faire quoi de ces informations? C'est un bien comme un autre, négociable et changeable. À partir de là, le motif de mon employeur ne me regarde pas. Je ne suis que l'acheteur. Ma loyauté va à l'Alliance, pas au courtier de l'ombre. C'est regrettable, commandant. Mon employeur s'en souviendra la prochaine fois que vous aurez besoin de nos services. C'est pas grave. Donc tout ça j'ai déjà fait, mer pourpre. Styx Theta, je crois que j'ai pas fait. Commandant, je capte un signal de détresse. Je vous transmets ça. Mayday, Mayday, Mayday! Ici le lieutenant Marie Dourlance, 14e d'infanterie de la 3e brigade, 10e division des marches de l'Alliance. Le poste d'écoute a été envahi par des créatures hostiles non identifiées. Demande extraction immédiate. Allez, va. Allez, hop, 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 hop. Alors,
Ouais, qui est juste à côté. Ok. Ok. Non, allons ici. Faisons une marche arrière. Là. Ah ok. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Ah. Ok. Ok, bon.
Merde, j'ai cassé. Ah oui, là. Ok. Te reprends. Oui. On a plus qu'à aller là. Hein. Non mais attends. Ah si, c'est ça. Ah,
Ok. Lieutenant Dourlance, chef. 3e brigade, 14e régiment d'infanterie. Et sacrément heureuse de vous voir. Il paraît que vous avez besoin de renforts. De foutre le camp d'ici, surtout. Mais votre vaisseau a l'air trop petit pour extraire tout le monde. On nous a insérés ici il y a quelques mois, avec ravitaillement toutes les deux semaines. Tout était tranquille au début. Mais hier, ces bêtes ont surgi du sol sans crier gare. Et voilà tout ce qui reste des 90 soldats de mon unité. On a un vaisseau en orbite. On pourrait les pilonner. Ça ne servirait pas à grand-chose. Ils se déplacent sous terre. La seule fois où ils sont sortis, il a fallu que ce soit pile dans notre camp. Et puis, entre votre vaisseau et eux, il y a nous. Pourquoi vous avez été stationné ici ? Pour lutter contre les pirates du secteur. On a installé une chaîne de postes d'écoute dans les systèmes locaux, au cas où ils auraient une base d'opération dans le coin. Ce ne sont pas des bêtes. Ils sont doués d'intelligence. Si vous connaissiez un peu l'histoire, vous sauriez qu'il s'agit d'Arachni. Jamais entendu parler. Enfin, c'est juste un nom. Ceux qu'on a combattus venaient juste prendre notre température. D'après les capteurs sismiques, il y en a toute une chier qui remonte nous dire bonjour. Ils seront là dans 5 minutes à tout casser. Dans des conditions optimales, on pourrait leur résister, mais vous voyez dans quel état on est. Allez rassembler vos troupes. Pendant ce temps-là, on va essayer de retaper un peu vos défenses. Bien pris, commandant. Vous avez entendu ? Que tout le monde rassemble munitions et grenades. Buvez un coup, allez pisser, et grillez-vous-en une tant que vous le pouvez. De merde, chef! C'était vraiment moins une. Vous allez bien? Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous, comment ça va? Pareil, mais ça fait pas loin de 26 heures non-stop qu'on se bat. On ne va plus tenir le coup très longtemps. Encore un truc. Il y a 3 jours, un de nos postes d'écoute a cessé de transmettre. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, un raid de pirates ou un truc dans le genre. On passera voir. Je ne sais pas ce que fout de Arachni, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Chef, on capte un signal d'un des drones UAV. Il a repéré une énorme caverne à 1,5 clic sous la surface. Bien, c'est forcément là. Ça doit être de là qu'ils viennent, mais mon unité n'est pas en état pour une opération de nettoyage. Dites-nous par où aller. Vous n'êtes pas obligé, commandant. On a réussi à les affaiblir. On devrait pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée d'un vaisseau d'extraction. Si vous voulez tenter le coup, on va vous donner les coordonnées, mais ne vous sentez pas obligé. Vous nous avez sortis de la merde, commandant. Merci.
Ok. Oh, mais on y va, nous. Allez, on y va. On est des ouf. Ah, j'ai un petit coup de main. Hop là. Ok les gars. Et tout ça, puis après. Truc là. Oh putain. Superbe. Oh putain ce jeu. Putain, mais... Voilà. Superbe. Il reste un. Ah, il est là. Ah, oh, bah, très bien. Aïe.
merde. Non, chiant, j'ai pas fait gaffe. J'ai bien fait de sauvegarder juste avant. On va récupérer un peu. Allez. Ça va suffire. Tac. What, ah mais... Non mais, qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Ben dis donc, c'était chaud patate.
Hop là. Voilà. Ok. Bon, bah super. Super, super. Bon, bah, on a plus qu'à rentrer. À la casa. Je sais pas où je vais. Du tout. Voilà. Voilà. Ok. Bon, ben on va pouvoir retourner sur le Normandie. C'est cool. Ça, hop là. Retour Normandie, retour la Buzz. Et puis après, on va aller sur le deuxième système. Donc là maintenant on va pouvoir aller sur le deuxième. Kiron. Let's go. Ok, là y'a rien. Y'a rien. Hop là. Tiens, y'a une. Non, c'est peut-être sur celle-là que je fais. Ok, c'est si je peux atterrir, et est-ce que celle-là je peux l'analyser? Oui. Super. Hop là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah oui, tiens, équipement. Lanceur. Ouais, ok, super. Pas terrible là. Pas ouf. Wow. Allez, let's go pour celle-là. Ok. Ah, il a poste d'écoute. Pas de problème. On va y aller. Thank you.
quelque chose ici. Repérer l'artefact. Ah merde. Ok. Superbe. Bon, on va aller voir là-bas. Hein. Là, il y a des liens encore. Attention, les liens, je vois pas. Ah, je savais bien qu'il y avait des liens. Les copains, paf. Ah. Ok. Est-ce que je... Ouais, bon, allez. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, soldat d'élite? Premier secours. Ouais, allez, premier secours. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire... arrière de fou, là. Et toi, tu vas faire déchirure. Et voilà. Hop, on entre dans le bâtiment, là. On va défoncer des gens. Encore. Oula, on dirait que ça s'est mal passé ici. Non, c'est pas bon ça. Le piège, ça pue le piège. Mais bon, on s'en fout. On y va, on est dégueu d'un. Oh. Oh bah non. Ça va. Shepard, d'après ces rapports, ils ont été ravitaillés avant-hier. Les Rachnis n'ont pas perdu de temps. Cette planète est théoriquement inhabitée. Les Rachnis ne sont pas arrivés par magie. D'où venaient les ravitaillements? À l'instant, ils étaient acheminés par des vaisseaux sans pilote envoyés depuis différents dépôts pour empêcher que leur provenance soit identifiée. Mmh. J'ai trouvé. Le dernier en date provenait d'Argosro. Il risque d'y avoir des Rachnis là-bas aussi. Mais on doit en avoir le cœur net. Ça marche. Ouais, mais bon, ça, je vais pas y aller non plus, hein. J'ai déjà allé assez à cette planète, donc je vais pas non plus
Ouais, c'est largement meilleur. Là, ouais, ce qu'ils vont me dire, c'est du coup dans le journal. Voilà, c'est... Hop là. Étant insuffisante. Alright, bon. Hop là. Bon, mais retournons ici, dans le Mako, et puis retournons en Normandie. Alors là, puis après, on va aller à notre prochaine destination, et puis après, on s'arrêtera là. Hawking Eta. Century. Ah bah y a que ça. Que Century. D'accord. Peut-être faire celle-là. Un message, commandant. Oh, surprise! L'Alliance a encore besoin de vous. Shepard, ici l'amiral Hackett. Je suis avec le commandant de l'Alliance. Nous avons une mission à vous confier. Le colonel Kyle, un officier de l'Alliance, a fondé une petite communauté dans le secteur Hawking Eta. Il a rassemblé autour de lui un certain nombre de fidèles, principalement des biotiques. C'est devenu un détracteur virulent de l'Alliance. Nous pensons qu'il est mentalement instable. Kyle pourrait nous causer de graves problèmes, Shepard. Qu'est-ce qui nous prouve que le colonel est dangereux? Il y a 3 jours, nous avons envoyé 2 représentants de l'Alliance à son complexe. Depuis, pas de nouvelles. Nous pensons que Kyle et sa clique les ont tués. Ce complexe est une secte, Shepard. Kyle se fait appeler Père Kyle par ses fidèles. Il s'est imposé comme une sorte de leader religieux. Vous dites que ses fidèles sont des biotiques? C'est exact. Le colonel Kyle lui-même n'a jamais présenté d'inclination biotique. Je pense qu'il s'est juste attaché à un groupe avec lequel il s'identifie. De nombreux biotiques se sentent marginalisés ou exclus par la société. Kyle les voit sûrement comme des victimes qui ont besoin de sa protection, et eux voient en lui un protecteur qui se bat pour eux. Malheureusement, il a réussi à les convaincre que l'Alliance est responsable de tous leurs problèmes. On ne peut pas le laisser continuer. De quoi les représentants de l'Alliance comptaient-ils lui parler? Il devait le ramener dans une infrastructure de l'Alliance pour suivi psychologique. Le colonel Kyle nous a servi avec dévouement pendant de nombreuses années. Nous ne comptions pas l'abandonner. Toutefois, étant donné son état mental, il les a probablement vus comme une menace. Nous sommes quasiment sûrs qu'il a ordonné à ses fidèles de les tuer. Que pouvez-vous me dire d'autre sur le colonel Kyle? C'était un soldat modèle, mais Torfan l'a changé. Trop d'hommes sont morts sous ses ordres. La culpabilité a commencé à le ronger. Ses évaluations psychologiques ont démontré qu'il n'était plus en mesure de supporter le stress du commandement. On lui a donné une retraite anticipée avec les honneurs. Nous pensions qu'il finirait par s'en remettre, mais c'était sous-estimer la gravité de son traumatisme. Et maintenant, c'est trop tard. Je peux peut-être résoudre cette affaire sans violence. Vous avez été sous ses ordres, il vous écoutera peut-être, mais... Il a déjà tué 2 enquêteurs de l'Alliance. Je compte sur vous pour prendre les décisions qui s'imposent.
Hackett, terminé. Ok. Ok, bon, on va atterrir sur cette lune. D'abord aller là parce que c'est vraiment proche a priori. Okay. En avant. Ah, mais ça, du coup, ça fait comme tout ça. Thank you.
Ok. Ah tiens, j'ai vu... J'ai éliminé déjà ça là. Non, non. Ah, oh, c'est rigolo ça. Oh merde. Putain. Ok, j'ai ce mandor. Très bien ça. Tac, et puis là. Yaha, on va aller descendre comme ça. Ce sanctuaire est un lieu privé. Les étrangers ne sont pas les bienvenus ici. Je dois parler à votre chef, c'est important. Le père Kyle ne veut plus avoir affaire à l'Alliance. Je préférerais qu'on règle ça pacifiquement, mais s'il ne veut pas me voir, il risque d'y avoir du grabuge. Nous ne vous laisserons pas emmener le père Kyle! Il nous protège! On a besoin de lui! L'Alliance cherche un bouc émissaire. Laissez-moi parler au colonel Kyle, et peut-être que j'arriverai à vous sauver la mise. Attendez. Le père Kyle accepte de vous voir. Ok, il doit être en haut, il doit être en haut. Ça, c'est pas un problème. Putain, mais il est où le bonhomme là? Passer à côté sans le voir. Bah.
C'est bugué cette quête ou quoi? Tout le monde se fout des biotiques. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Non. Pas dire ça. On ne peut pas faire confiance à l'Alliance. Non, faut pas dire ça. Où l'êtes là? L'Alliance a envoyé des assassins tuer le père Kyle, mais on les a arrêtés. Tout le monde se fout des biotiques. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Super. Le père Kyle dit que les biotiques doivent se soutenir mutuellement. Ah, très bien, mais où ce putain de père Kyle là? Est-ce que c'est toi? L'Alliance veut nous éliminer. C'est ce que dit le père Kyle. Le père Kyle, on s'en bat les couilles. Des hommes de l'Alliance ont tenté de tuer le père Kyle. Oh, mince. Là, c'est une meuf. Putain. Des hommes de l'Alliance ont tenté de tuer le père Kyle. Ah, j'y crois pas. Les biotiques sont en sécurité ici. Ok. Ok. Bon, on n'a pas vu le père Kyle, mais je sais pas trop comment faire. Ah putain, mais ça se relie dans un autre truc. Ok. Je suis le colonel Kyle. Je sais pourquoi vous êtes ici, mais nous ne sommes pas ennemis. Laissez-nous tranquille. Qu'est-ce qui est arrivé aux officiers de l'Alliance? Ceux qui sont venus avant moi? Ils voulaient me faire quitter cet endroit, abandonner ma famille. Ils blasphémaient. J'ai fait mon possible pour que leur fin soit rapide et sans douleur. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je protège mes enfants. Je suis le seul à pouvoir veiller sur eux. L'Alliance m'envoie vous ramener à la raison, colonel. Vous ne voyez pas que vous avez dépassé les bornes, que vous risquez la vie de vos fidèles? Je vous sais gré d'être venu en paix, mais je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Mes enfants seront désemparés si vous leur enlevez leur père. C'est vous qui avez ordonné à vos fidèles de tuer les enquêteurs, à vous d'en assumer les conséquences. Vous voulez que vos enfants paient aussi pour vos fautes? Non, c'était ma faute. Mes enfants sont purs et innocents. Pitié! Je ne voulais pas en arriver là. Je suis désolé. Vous prenez la bonne décision pour vous et vos enfants, colonel. Suivez-moi. Un instant.
Si mes enfants me voient partir sous votre escorte, ils ne comprendront pas. Ils attaqueront, et vous devrez tous les tuer. Vous m'avez fait prendre conscience de mes erreurs, commandant. Mais j'ai besoin de temps pour tout leur expliquer. C'est le seul moyen pour qu'ils comprennent. S'il vous plaît, donnez-moi une heure. Ensuite, je me rendrai à l'Alliance sans résister. Je vous en donne ma parole. Je vais vous faire confiance. Mais si vous me trahissez, vos enfants et vous allez le payer au prix fort. Je ne vous trahirai pas, commandant. Merci. Votre pilote peut demander au PC de récupérer Kyle. J'espère que vous savez ce que vous faites, Shepard. Parez. Je me rendrai à l'Alliance d'ici une heure, commandant. Vous avez ma parole. Votre pilote peut demander au PC de récupérer Kyle. J'espère que vous savez ce que vous faites, Shepard. Okay. Eh bien, retournons en Normandie et puis on en terminera là. Oula, putain. Big bitch. Ok, alors je crois que c'est tout là-bas. Zut alors, pas le moindre vaisseau en vue. J'espérais que le conseil se lancerait à notre poursuite. Je crève d'envie de voir ce que le Normandie a dans le ventre. Ce petit joujou doit être un vrai bolide. Sa reine est toujours en liberté. Avec un peu de chance, on se paiera une bonne partie de cache-cache avec Sovereign. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais ça paraît tout de suite moins drôle avec vous, commandant. Vous vouliez quelque chose ? Je dois y aller. Oh. Je ne vous retiens pas. C'est... Ah, tiens. C'est juste derrière alors là. Ah ouais, c'est derrière. Je suis trompé. Non ? Et comment on fait pour parler à Raquette là du coup ? Réception d'un message, je transfère. Ah, c'est juste ça. Commandant, ici l'amiral Raquette. Votre navigateur vient de nous faire parvenir votre rapport sur le colonel Kyle. Nous avons envoyé une patrouille, comme vous l'avez demandé. Les fidèles de Kyle se sont dispersés et le colonel s'est rendu sans histoire. Il sera interné dans un de nos meilleurs hôpitaux. Je pensais que cette affaire allait finir en bain de sang, à coup sûr. Je ne sais pas comment vous avez fait, commandant, mais vous avez sauvé de nombreuses vies. Félicitations. Ouais, normal. Ok. Donc là... Là, on va pouvoir aller sur Ilos. Mais on fera ça la prochaine fois. Là, nous allons sauvegarder. Tac. Et puis, on termine là-dessus. A plus.